Bonsoir, jeudi mardi 15 octobre 2024, la VOA Creole contente que la CAIO pour présenter une nouvelle édition Rendez-vous ça. Moi c'est Jean-Aubert Philippe, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Quelques points qui ont dominé l'actualité en Haïti, le Premier ministre Garry Conille retourné dans Port-au-Prince après un viron qui démène dans Kenya et Émirats Arabes Unis. Actualité dans la région Moyen-Orient, Israël et les États-Unis garantissent que ne pas attaquer ni site nucléaire ni installation pétrolière Iran. Actualité électorale aux États-Unis, normalement arrêté moins passé un mois pour l'élection présidentielle de dérouler. Candidats ont cherché à convaincre les électeurs indécis dans l'État clé. Dans le pays d'Haïti, le Premier ministre Garry Conille retourné Port-au-Prince jeudi mardi après un viron qui était mené dans les Émirats Arabes Unis avec le Kenya. Emmanuel Gendeta, depuis la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince. Premier ministre Garry Conille rentré dans le pays en journée mardi après une tournée diplomatique de près de 10 jours qui était conduite dans les Émirats Arabes Unis à Kenya pendant une conférence pour la presse qui organisée dans le salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint Louverture. Chef gouvernement portait précision sur objectif déplacement stratégique ça qui chita sur renforcement sécurité dans le pays d'Haïti. Voyage nous fait, évidemment, but à c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans sa lié là, dans circonstances liées là, elle a obligé dépendre d'anciens amis, mais obligé à chercher nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui très intéressés comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent sa Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et que qu'a rapporté nous aujourd'hui qui très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Visiblement satisfait de mission ça, M. Conille notamment mettait accent sur échange constructif les deals de gagner avec président kenyan William Ruto. Nous faisons bonne discussion avec président Ruto sur l'autre type d'accompagnement que nous avons dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour relier l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir de nous. Et nous avons que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui engagent, dont par exemple le Salvador qui promet mieux pour le monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous avons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Le Premier ministre a montré le tout confiant quant à appui partenaires internationaux dans la sécurisation du territoire national. Là. Et un gros groupe nous rencontrons, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Là. Il a démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mis à disposition. Là. Et il a demandé nous pour très rapidement nous faire liste de besoins pour nous avoir un flux régulier. Le type de matériel ça. Pendant ces jours-là, le Premier ministre est accompagné de ministre Affaires étrangères à Cutland, Dominique Dupuis, et puis deux hauts gradés, Force l'armée d'Haïti, FADH, avec PNH, général Azema, avec inspecteur Mackenzie. Ils ont eu l'occasion pour discuter avec partenaires économiques autour et sécuritaires avec plusieurs responsables Émirats Arabes Unis. Et Chansao, selon M. Conille, visait non seulement renforcer la sécurité, mais tout établir base solide pour des futurs investissements dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Yon blindé police nationale a boulé dans l'affrontement entre la police avec gang armé dans une torselle. Steven Aristil, depuis Port-au-Prince. Quelques temps après une vidéo, chef gang Krasé Barrière a vite l'homme fait et publié sur les réseaux sociaux qui montrait yon nan chat blindé police kenyan yo a boulé. Service communication PNH la sorti yon communiqué pour bay plus détails sur ça qui t'est passé. Nan communiqué si la, yon fait qu'on est samedi 12 ak lundi 14 octobre 2024 la, nan yon opération tête ensemble la police nationale ak force multinationale la te mené nan base gang Krasé Barrière, gen yon vingtaine bandi qui t'est tombé en babal la police. Plusieurs armes, munitions, téléphones portables et l'autre matériel sensible te saisi. Toujours selon communiqué, sa opération sa route mené dans plusieurs zones stratégiques gang sa qu'on utilisait pour l'opérer. Service communication a été souligné dans communiqué a blindé mission SIPO ak sécurité a été en panne moteur malgré intervention technicien qui était sous place yo fait li pas arrivé fonctionner. Et au fait qu'on est tout, pendant l'opération ça, deuxième chef gang Krasé Barrière qui relait des hommes te sorti blessé dans l'échange tir li te gen ak la police. La police nationale fait qu'on ait été mobilisée pour poursuivre opération qui capable permettre de neutraliser chef gang et terroriste vite l'homme innocent avec tout allié. N'a pas rappelé, Garry Conille sorti dans une visite dans le pays kenyan.
autorité pays Kenya a annoncé yo gen pour déployer un nouveau contingent sur Haïti pour capable renforcer présence sa qui déjà là yo. Et PM nan te tout profité al chercher nouveau partenariat à pays Émirats Arabes Unis pour capable goumen pour rétablir sécurité dans pays ya. Moi c'est Steven Aristil depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Haïti toujours plus passé une dizaine organisations sociales avec politique prévoit organiser une marche pacifique jeudi 17 octobre 2024 là contre déportation massive haïtiens qui vivent en République dominicaine a pour réclamer soutien communauté internationale là par rapport à situation ça. Renan Toussaint de Port-au-Prince. C'est ensemble organisation ça yo parmi yo Force Réveillé Canapé Vert, Challenger Populaire, Force Opposition et collectif parti signataire à Comontana yo qui réunit en bas chapeau Solidarité pour Haïti qui dénonçait mauvais traitement haïtien a subi Saint-Domingue a annoncé tout yon marche pacifique pour jeudi 17 octobre 2024 là contre racisme. Petro Challenger Réginald Dumé. Nous annoncer massa pour 17 octobre. C'est une initiative commune qui prend, j'aime te dire, nous, par diverses organisations, diverses secteurs dans la société civile là, pour nous bailler une réponse et pour nous demander avec international là, spécialement l'ONU, OEA, pour saisir des questions, surtout au commissariat l'ONU, pour que, yo, au moins, fait Abinadel suspendre avec Zak Abitre Sayo. Bon côté parle, coordonnateur général collectif parti signataire, Accord Montana yo met Iswik Théophile plaidé en faveur soutien communauté internationale là pour autorité dominicaine yo capable respecter droit migrant haïtien yo pour la communauté internationale notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies pour yo pas diligenter une enquête pressée par rapport aux agissements de la République dominicaine et de prendre la disposition qui s'impose. Et nous lançons un appel à la solidarité internationale. La solidarité internationale et des mesures de réciprocité en matière diplomatique. Autorité dominicaine voyait tourner chaque semaine plus passer 11 000 Haïtiens yodi qui sont papiers. Pour l'année 2024 ça seulement, Saint-Domingue déjà déporté environ 195 000 compatriotes haïtiens en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Pour suivre rendez-vous sur VOA Creole, n'a pas mettre depuis Washington DC, restez branchés. Actualité dans la région Moyen-Orient, Israël ba États-Unis garanti que li pap attaqué ni site nucléaire ni installation pétrolière Iran. Yon mise à jour ak Valé Saint-Louis depuis ville New York. Autorité la santé qui basée dans Gaza te dit dans une déclaration que quantité palestinien qui mourit dans attaque israélien au cap continuer fait sous Gaza te monté à 42 344 morts. Autorité a ajouté que pendant 24 heures de temps qui sont passés là yo, militaires israéliens ont tué 55 monde et puis blessé 329 l'autre, ça qui te mettait quantité blessé yo à 99 013 depuis que conflit palestinien Israël là te pété dans commencement mois octobre 2023. Bon côté pa yo, force défense israélien ont dit dans une déclaration dans lundi que troupes li yo a continué opération dans toute zone Gaza et a tué militants Hamas qui ont rencontré sous route et a frappé tout par attaque aérienne. Pendant quelques jours sont passés là, mission maintient la paix Nations Unies dans pays Liban a subi attaque plusieurs fois dans mi-temps conflit force israélien avec Hezbollah, ça qui la cause plusieurs monde blessés et puis provoquer réaction communauté internationale là qui condamné Zaksa. Nations Unies dit que attaque ça yo sous mission la paix dans pays Liban c'est une violation loi internationale et puis ça ca constitué un crime de guerre. Secrétaire général Antonio Guterres demandait toute partie concernée qui gen la donne l'armée Israël là pour éviter n'importe ak toute action qui mettait mission maintien la paix à risque. Porte-parole secrétaire général Stéphane Dujarric te dit reporter dans quartier général Nations Unies que mission a prend toutes mesures possibles et nécessaires pour assurer protection même mission maintien la paix. Mission maintien la paix Nations Unies qui dans site pays Liban te dit que tant qu'Israël
Haïtiens ont entré avec force dans une position li yo et 5 personnels maintien la paix ont été blessés dans attaque qui t'ai frappé position yo. Et yo lagué blana sous deux forces israéliennes. Pendant que critique communauté internationale a augmenté après que force israélienne ont été tirée sous mission maintien la paix Nations Unies, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu t'a dit que il t'ai répété appel pour force mission maintien la paix Nations Unies qui dans Liban t'ai quitté temporairement zone combat yo. Netanyahu t'ai publié une déclaration vidéo hier lundi dans Aswe et il t'ai dit que accusation que peuple Israël là t'a fait exprès pour attaquer personnel mission maintien la paix Nations Unies complètement faux. C'est exactement opposé. Israël t'a en plusieurs fois mandé mission maintien la paix Nations Unies sorti dans zone combat yo. Il t'a mandé yo pour quitter zone. Chef politique Union Européenne Joseph Borrell t'a dit que tous 27 pays membres Union Européenne yo t'est d'accord pour mandé peuple Israël là suspend attaquer mission maintien la paix Nations Unies. Attaque ça yo contre gardien la paix Nations Unies totalement inacceptable. Joseph Borrell t'a dit dans une déclaration il t'a fait dans non Union Européenne yo qui t'a publié dimanche soir. En plus de ça, ministre Affaires étrangères pays Autriche, pays la Hollande, Espagne, Suède et pays Irlande t'ont tout condamné attaque israélien yo et puis ont mandé yon fin immédiat dans attaque ça yo. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Actualité électorale là, candidat parti républicain avec rival démocrate li a cotisé yon petit point électeur ici pour voter en faveur yon ou bien l'autre là. Démarche ça a fait dans moment électeur à Paris pour jeter bulletin dans 3 semaines. Yon mise à jour sous campagne électorale là ici aux États-Unis. The population of the undecided voter is shrinking. Dans moment manqué 21 jours avant déroulement élection yo, candidat républicain Donald Trump a rival démocrate li Kamala Harris a mené campagne dans état clé yo pour sensibiliser un petit point électeur qui capable décider prochain locataire Maison Blanche là. Jusqu'à présent, électeur ça a déclaré yo pas vraiment connait si yo doit voter pour Donald Trump ou bien pour Kamala Harris. You know, I just want to see like I want to see Marie Beth Jovakini, électeur dans New York déclaré moi voulais comprendre qui moun yo yé d'abord. Yo pas trop impliqué. Actuellement, deux candidats yo nouveau dans panorama politique là. Yo gen niveau connaissance différent. D'après sondage yo, électeur indécis yo représente 3% dans l'électorat. John Johnson, un chercheur dans la faculté de droit Marquette University, parlait pour dire en pile électeur pour qu'on intéresse à qui. Moi, quoi, leur poser aux questions, c'est comme ça qu'ils capable répondre. Quelques monde dans le centre-ouest pays est capable réticent pour dire pour qui candidat a voté. Campagne ciblée à Harris avec Trump a poussé quelques électeurs indécis à changer de position. D'après professeur de sciences politiques University of Massachusetts, Tatishi Nteta. The population of the undecided voter is shrinking. Les électeurs indécis a diminué chaque jour. Puis finalement, yo attend dernière minute élection avant de décider. Ça qui est important, c'est mobilisation souterraine entre parti démocrate là avec parti républicain. Ça qui semblait une élection extrêmement serrée. Trump et Harris ont des défis différents pour lever les chercher convaincre les électeurs indécis, d'après expert Darrell West, qui déclarait Trump a besoin de montrer que le peuple américain respecte la loi. Il n'est pas prêt à agir comme un monde fou s'il remporte l'élection. Quant à Kamala Harris, il a moins d'expérience. Il n'a pas gagné longtemps depuis qu'il a occupé le poste de vice-président. Il est plus libéral que politique l'a pas appliqué aujourd'hui. Il a eu électeur assurance que c'est même Kamala Harris là qui a existé comme président. Public là qu'on est trompé plus que l'autre candidat, ça qui balie un avantage avec un désavantage, l'en a parlé de l'électeur indécis. Monsieur Johnson déclaré, ça fait 3e fois Trump pose candidature pour poste président. Puis fort électeur déjà gagné opinion sur lui. Donc deux candidats a travaillé sérieusement pour convaincre un petit groupe électeur sorti à voter en faveur d'un ou bien l'autre là. Merci d'être toujours en chez VOA Creole. Vous faites bon choix, pas déplacer. Ministre haïtien qui a vu à l'étranger Dominique Dupuis fait un pile promesse pour membres diaspora dans plusieurs domaines, pendant passage dans la ville de Paris, dans le pays de la France. Franklin Guédems pour plus de détails. Madame Dominique Dupuis, qui est ministre des Affaires étrangères haïtienne, débarquée dans le pays de la France en tant que ministre tout haïtien qui vit dans la diaspora pour faire promotion et un nouveau service que l'État haïtien mettait en place pour tout haïtien en général et surtout pour diaspora qui souvent a plein problème de documents et d'identité. Jodi a nous dans consulat d'Haïti à Paris.
côté que nous voter en bonne nouvelle là c'est que pour la première fois nous allons déployer dispositif de livraison de carte NINU, carte identité nationale unique là, y aurait les dermalogues là, nous fait participer dans la cérémonie de lancement formation monde qui va le produit 4 là, équipement yo là, directeur général ONI avec nous, son collaboration avec ministère justice, ministère intérieur. Premier ministre là content que c'était un chantier prioritaire que nous t'ai gagné l'homme t'ai prend et pas ça c'était pour nous contribuer pour que diaspora ait accès à droit à l'identité ministre fait vieux à que connaît depuis moun pa yon apatride quelle que soit situation liée dans un pays étranger li important pour lui faire quatre ça sourete un haïtien et qu'on opérer avec un pays qui c'est celle ça des salines de nous li important pour gagner un lien au niveau et administratif institutionnel qui se compte ça. Nous avons un dossier qui est sous table là, qui est le dossier participation diaspora dans la prochaine élection, c'est-à-dire le droit de vote pour diaspora à travers les réformes constitutionnelles là et puis référendum qui est organisé par le gouvernement tradition. Vous avez fait passeport qui bloqué yo, ou bien qui prend temps pour arriver yo. Ministre fait nous connaître que y a un gros avancé qui a fait sur dossier ça et tout profiter. Voyons un message by communauté. Haïti gen droit pour li manifester doléance par rapport à organisme de tutelle li fait tout et collègues moi confiance pour yo ka gérer des situations avec appui premier ministre là pour que yo résoudre yo le plus vite que possible mais ça pas doit empêcher nous parce que gon en situation temporaire momentanée pour nous même nous pas prendre des dispositifs pérennes durables qui permettent et diaspora vivre et dans des conditions qui adéquates. Monsieur Demsan, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. N'a pas appelé VOA Créole, qui a plusieurs autres plateformes qui pour informer autant pour Instagram, Twitter, Semblier, site web noir, VOA Nouvelle. Migrants africains qui perdent en mer à pas prendre qui j'en pour nager, une façon pour surmonter Pérezio. Sandra Le Maire, gain détail. Yo te gen gros souri, peut-être pour cacher qu'a sauté yo. Nan moment yo te pran nager pour première fois ak lunettes pour protéger géo dans la mer plage Tenerife en Espagne. Professeur volontaire espagnol yo te sous place pour aider yo. En pile nan jeune migrant africain sa yo a souffri ak un pérez après voyage dangereux yo te fait pour arriver dans île Canario sorti depuis pays tankou Sénégal ak Mauritanie ak bateau précaire nous sommes 215 personnes donc on quittait du Sénégal quartier Mbour on a fait 6 jours dans les tracés on a fait 6 jours donc quand nous étions venus ici c'était vers la nuit donc on a fait passer la nuit vers l'eau donc voilà quand l'air est venu vers 6h, 5h du matin, donc il nous amenait là-bas, la base. Jorge Balcazar, coordonnateur projet AGUA, dit monde qui vient joindre nous a un pérez terrible que est capable de remarquer l'œil entré dans Doha. Il dit qu'il compte qu'il y bien fort comme si on peut mourir. Quelques migrants ont passé 15 jours sous la mer. Sí, hay gente que viene con un miedo terrible, que tú ves cuando estás entrando al agua, te da la mano como si se aferrara a la vida, tía, con miedo, como cualquier persona que no supiera nadar. Quantité migrant qui a privé en façon irrégulière dans l'archipel a augmenté par 160% entre mois de janvier à 15 juillet, d'après sa ministère intérieur Espagne là dit. Groupe Cap défend droit migrant yo qui relé Walking Borders dit dans un rapport que 5000 migrants mourit sous la mer. Mamadou Batili, un jeune homme 24 ans qui c'est un spécialiste technologie et qui c'est moun Mali, dit li pa t'ap faire voyage là encore. Une seule fois seulement c'est tout. Mais je ferai pas ça encore. C'est très très difficile, c'est très très dangereux. C'est un risque qu'on va prendre, mais on n'a pas le moyen, on est obligé de faire. Mali, c'est pas facile quoi. Volontaires travaillent à groupe de 35 à 40 personnes avec espoir qu'ils sont capables de montrer qui gens pour gérer la mer. Balcazar dit volontaires travaillent avec personnes qui ne savent pas nager et puis tout ça qui gagne expérience dans la mer, mais qui voulait renverser le trauma qu'ils gagnent. Monsieur dit, après quelques sessions, il y a un changement et puis gratitude pour les gens qui baillent volontaires, gros qui est content. Sandra Le Maire, VOA Créole.
Yon sujet qui domine l'actualité ou bien la vie sociale ici aux États-Unis, c'est Dependa qui sorti la Chine et qui arrive à Washington DC jeudi mardi 15 octobre là à l'aéroport Ronald Reagan. Vraiment vrai, Dependa sa yo sorti dans la province chinoise qui est le Sichuan. C'est une fille avec un garçon. Garçon est Bao Li et fille est le King Bao. Yo tous deux gain 3 ans. C'est Pékin qui voye deux panda sa yo by Washington. Yo considéré tankou yon message diplomatique symbolique. De mamifè sa yo te voyage dans un avion cargo spécial qui te rele Panda Express. Yo te mette yo chaque nan pop kaj pa yo avec comme manger en pile carotte avec bambou pour voyage là. Voyage te fait sous surveillance contrôle vétérinaire avec une équipe monde qui te sorti capitale fédérale américaine à Washington DC. Eh bien bon mes amis, nous vivons en fait. Et puis pas oublier mes amis, nous gagnons pile, nous gagnons côté capable continuer sur programme nous aller sur social media, VOA nouvelle par exemple, Twitter, Instagram. On cap toujours visiter programme nous là pour connaître exactement qui ça cap passer dans l'actualité, qui l'autre grand point cap passer dans l'actualité pour connaître dernière nouvelle yo et grâce à l'équipe nous qui pas manqué et préparer yo justement pour préparer nouvelle pour nous et tout ça que nous pas développer pour dans édition ça au capable toujours connaître et connaître dernier point cap domine actualité a. Mes amis, hier nous t'ai parlé de histoire un chien qui ça de bon contre ça une nouvelle ça un chien cap du football. Eh bien mes amis, je dis on a retourné sur le camp parce que moi-même t'ai tellement content pour lui et puis sous demande public là et ben on a retourné sur pour nous un chien cap du football. Eh bien oui, en attendant que Régie a dit nous que programme que édition ça est spécial à Paris, eh bien bon n'a toujours que pas oublier brancher sur nous et puis pour connaître tout ça qui a passé dans le monde et veut arrêter encore une source nouvelle pour capable de faire confiance à n'importe qui et tout ça que nous disons c'est des nouvelles qui vérifier et que nous parler de nous vérifier d'abord avant que nous même faut connaître. Donc faut toujours rester avec nous, rester fidèle comme qu'on habitué faire depuis longtemps faire avec nous, eh bien pas de quoi continuer avec nous toujours parce que nous avons une nouvelle barre pour justement faire connaître grand point qui est censé abdominer l'actualité à surtout le monde dans plein mot grâce avec le reporter nous que ce soit c'est ça qui n'importe au prince que ce soit c'est ça qui n'importe au prince ou bien qui encore nous dans New York ou bien l'autre côté qui très certainement apparaît pour nous Kounia j'en te promets toi nous pourrons porter une avec histoire chez ça pour nous cap jouer des balles et c'est sous demande j'en te dis là où t'es ouais où t'es amène et ben là pour ton avec pour justement pour garder le tout fais même j'avais suivi lui et nous connaissons au pas manqué ou pas trop content leur ouais histoire chez ça cap jouer des balles en aller. Yon toutou qui gagne 3 ans, qui rele Floki, émerveillé spectateur sur une plage dans Rio de Janeiro, côté li nan tèt jouet li a joué foot volley. Yon jouet chrétien vivant goumè pour jouer yon même. Reg foot volley yo essentiellement tèt coupé avec beach volleyball, mais filé a pi bas et jouet yo interdit utiliser main ak bras. Floki li même volé bien wow pour pousser ballon an, ak bouche li. Tout ça fin tounen yon sensation sou réseau social brésilien côté gen plusieurs centaines milliers moun kap suiv li sou Instagram avec TikTok. Met Floki rele Gustavo Rodriguez et li se yon entraîneur football. Mais li se mante li pat planifié pou chien tounen vedette. Monsieur dit li te vle un chien race American Bully. Mais Floki te entré dans la vie Rodriguez plutôt et puis révélé potentiel li lol te gen 2 mois seulement après li te prend sauté pou trapper un ballon. Rodriguez te commencé pa mette Floki nan sacré li yon Altinia, côté yon groupe campé en rond et puis jongler ballon football là, puis longtemps possible. Après ça, Floki te fait grand début li nan jouet pi compliqué, hein, qui c'est foot volley, un jouet en pile vedette football brésilien remen joué, après yon prend retraite yo. Parmi yon gen Ronaldinho ak Romario. Joueur foot volley obligé gen tête frette, agilité, coordination et puis finesse.
pour couvrir yon bon filet, yon moun oblige courir monter descendre sous sable pendant soleil à bateau. Eh ben, c'est pas un bagage qui facile, mais Floki à l'aise là-dedans la même. Parmi spectateurs qui étaient émerveillés, yo gen Luisa Chioli qui sorti Sao Paulo pour venir Rio. Il était déjà connu Floki sur TikTok, mais li pat attendi à ce que li tap wè chien de près pendant li tap wè tigwok li. Nas redes sociais a gente achava que era tudo corte, né? Li zimwa te wè sou rezo sosyal, mèm te kompran yo te edite videyo a. Men lè nou wè, oh, mes amis, li te vreman cool. Pendant ce temps, Floki ap ramasse follower, partenariat ak off pou reklam. Sandra Lemay. Mes amis, gardons chien qui vient pour moi, mes amis. Bah, nous sommes dans une avec l'histoire d'un sale côté pour nous. En tout cas, il y a un peu de domine actualité. On a vu que le premier ministre Gary Koni retourne sur le front environ. D'abord, dans Kenya avec les Émirats Arabes Unis. Côté de l'histoire, on a cherché une nouvelle relation à Haïti avec le pays. Et puis, tout, on a vu que dans l'autre point qui est domine actualité, c'est surtout le ministre des Affaires étrangères qui lui-même tout est trouvé à Paris, côté de l'Équateur. Eh bien bon, mes amis, nous venons à faire un programme maintenant. Nous remercions pour l'attention. Non pas, c'est Jean-Aubert Philippe qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain, pour une autre édition. Rendez-vous. Bonsoir tout le monde. Passez bonne soirée. T'écoute Zam et que divers matériels, que divers Zam qui est arrivé saisi et qui est arrivé récupéré. En même temps, tout à travers notre ça, la police connaît que gen un blindé MRAP qui est officier qui nous a utilisé, et bien qui gen un problème, peut-être qu'il tombe en panne, mais la police partit que et il y a pas mentionné est-ce que blindé ça que bandit vite l'homme innocent yo, est-ce que yo piqué différent dans blindé ça, mais il précise que gen un blindé MRAP qui officier qui nous a utilisé, et bien qui tombe en panne et pour nous dire que blindé ça l'irrivé abandonné et l'irrivé et prend dit fait et y arrivé mettre tu fait la donne que bandit vite l'homme innocent yo. Ça veut dire jodi a décidé Jean de Joutil résoudre question insécurité hein. Partage qu'on ça fait insécurité dans pays d'Haïti, li ban ba ki piti et si autorité selon en pile monde, yo comprendre que c'est avec machine blindée seulement que pour mener opération ça yo. Rivé rentrer en dedans fier bandit yo et qui en pile monde qui dit que c'est bien compté mal calculé parce que bandit yo mettait un ensemble de pièges dans un ensemble de espace pour capable tonne et prend force l'audio dans un ensemble de embuscade. Je dis hein. Est-ce que la police, à travers sa crivée, blindé MRAP ça, qui cause que je dis, hein, que la police en dit, officier qui a une mission, hein, l'est déjà en dit, perdit un blindé, et qui ça qui dit, est-ce que la police, des policiers qui blessés, est-ce que les policiers qui mourent, est-ce que y a des détails sous question, ensemble, opération sous la menée, jusqu'à présent, à travers notre ça, la police va mentionner que, est-ce que les policiers qui blessés, est-ce que les policiers qui mourent, non, mais seulement mentionner, que plus, et plus passé, on va tellement dit qui blessé, et qu'il y a un chat MRAP, et officier Kenya yo qui te prend en, alors qui prend qui en panne et qui la cause que bandi yo mette dife la donne des Ibenes et maman de ça tout comment ça y est la clan la Sibonite mon frère. La situation de la population dans la commune Verrette et la commune Liancourt était foulée béton en journée 14 octobre 2024, là, ensemble pour protester ça, qui était utilisé et plusieurs paroles piment bouquin contre l'État et était plusieurs centaines qui étaient délivré message devant mairie Verrette, devant commissariat Verrette, pour demander la police pour prendre responsabilité pour démanteler gang yo dans niveau département de la Tibonite parce que yo dit yo pas capable encore et demander avec la police l'État central pour prendre responsabilité parce que moun la Tibonite trouvé dans situation qui très difficile et était tout profité et occasion pour te dire avec le premier ministre et docteur Gary Koni que monsieur qui dans autodéfense qui dans résistance yo pas de gang yo pas besoin de gang et yo parler pour ramasser toutes armes qui dans même monsieur ça après yo fin de tuer gang grand gris ça vient pour remettre avec la police demander la police laisser donc regarder bah là dans l'autre niveau opération dans niveau département la Tibonite yo continue malgré la police a poco en mesure pour faire état des lieux pour dire mais qui ça bilan est mais pendant journée 14 octobre 2024 et eh bien on l'autre fois après 8 jours que la police est entrée dans fief gang Kokorat San Rasa, malgré chef gang Kokorat San Rasa, mais fait quoi qu'elle gagne 200 moun qu'elle kidnappe la fait chantail pour mettre la police en difficulté pour pas attaquer elle ça pas empêcher 14 ans que la police est rentrée dans Kokorat San Rasa. Il était kounia porte-parole et principal porte-parole en après et la police elle a parlé en fait bilan l'a dit qui ça qui gagne dans Kokorat San Rasa, mais nous même nous pas en mesure pour nous dire qui ça qui gagne mais n'a dit dans après-midi même 14 ans c'était un département qui était mouvementé côté bandit bas gangrifio qui était basio ou était sorti dans niveau route nationale numéro 1 dans niveau Kafoupey aller sous commissariat Pasoual pour t'aller
tirer cartouche. Eh bien, si Calanri ainsi connu, monsieur recevoir balle, monsieur Pipre Baron, qu'elle prêtait à Bessleson, parce que c'est dans dos, monsieur prend balle là, dans mauvaise direction, et l'hôpital côté l'aller, dans son bouc, quand il vient la Tibonite, pas paré, pour balle son qui cal nécessité, parce que situation difficile, il y a des spécialistes qu'elle pas gagné, dans niveau l'hôpital là, et moun qui sortit de la Tibonite, qui pas vivre dans la commune, a posé cette question. Qui ça permet que la police par le pré-contrôle de civière, par le pré-contrôle de coup, laisse à cap mettre bandits, n'a pas fait difficulté, les ou dans affrontement, les ou blessés pas de côté, où il y a le plan soin. Mais quand t'as quitté civière, j'en lié, eh bien, médecin, qui a sermenté, puis, bah, tout le monde soit, et puis, moun, quel que soit, moun, depuis qu'il est arrivé dans l'hôpital là, il y a bal soin, Blaise Peterson. Bandit, parce que Griffier a fait chasse à l'homme, dans diverses directions, dans civière la Tibonite, respectivement, dans la troisième section communale civière, dans la localité Gloin, eh bien, matière, tout le monde qui était dans le jardin cap travail, il fait tout le monde quitter espace là. En pile monde fait connait que monsieur a cherché l'autre abri pour y aller, c'est affaire qui a fait monde quitter espace pour y pas gain contrôle pendant la police lui-même il continuer à bail black avec ti monsieur dans campé sur route là en fait aller venir les bandits continuer à faire action sans place problème. Si n'a quitté département la Tibonite pour fond coup de jet sur route nationale numéro 1 dans cité de la probable situation n'a toute population à carrière il pas arrêté bras croisés tous les mêmes. Et bien pendant ce 14 octobre 2024 là il y a trois tout est bandi canara yo bail bois calé. Yo dit que yo pas quitter pièce tout est à chez loi une mettre en difficulté parce qu'il a travaillé avec gang c'est eux même qui ba porte d'entrée avec bandi yo Blaise Peterson kounya dans Port-au-Prince tant qu'on se dit opération que la police fait quoi qui a mené des jours dans zone torselle avec zone qui environne lio qui gagne crasse barrière on gagne puissant qui dans zone ça qui passe son ba problème Blaise Peterson et bien tout monde cap remarquer yo té dans un premier moment c'est information que t'as qu'il était fait quoi que vite l'homme innocent prend balle jusqu'à présent tout le monde ouais vite l'homme innocent à travers une vidéo ouais monsieur correct monsieur en santé monsieur pas rien c'est pas rien net qui monsieur pas semblé net qui prend balle si chemise à tes souliers tu bouge dit dans tête l'a parlé l'a dit mes premières leçons qu'elle baille avec officier kenyan yo dans bémol que la police mettait il fait quoi que blindé ça t'as un problème moteur malgré technicien était venu yo pas de cas refixel et ben ces affaires qui ont été abandonnées. Et il n'y a pas même dit que Bandi mette différent dans aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous constatons, nous avons blindé MRAP ça en bas du fait, malgré l'officier kenyan a parlé des matériels que vous avez, mais si vous avez commencé, et sans doute, à perdre là-dedans, qui pourrait rendre la situation devient plus difficile. Nouvelle qui annoncée, Dr. Gary Kony, chef du gouvernement, premier ministre, t'a dû rentrer dans le pays pendant une journée en personne, l'a adressé dans le salon diplomatique et aéroport international tout son ouverture avec la presse. Mais il y a un pile information qui a circulé, c'est avec Vini, Dr. Gary Kony, nous allons connaître est-ce que réel a fait des 600 officiers kenyans qui t'a dû rentrer, puis il faut la défouler à cette question ça. Il a dit semblé, c'est ménage ou bien madame officier au Kenya, Penebayo, il y a des gens qui essaient donc de regarder question maladie. Il a dit qui a fait rage dans le pays Kenya, est-ce que c'est pas contaminé, qui a besoin de venir contaminer le pays avec forme ça, qui a dit qu'il a venu. Mais nous-mêmes, nous pouvons arriver là, nous pouvons analyser, partie question ça, Blaise Peterson. 113 bandits qui a commis des actes malhonnêtes sous population dans différentes communes dans le département de Grand-Anse, jouent une arrestation, selon porte-parole, la police dans la zone-ci là, et ont fait quoi gagner plusieurs armes afin qu'ils aient saisi ce bilan opération que la police menait, sorti 29 d'août pour arriver 9 septembre 2024, qui sont passés à Blaise Peterson, mon cher, n'est qui entendu pour faire viol, n'est qui entendu pour faire braquage, en pile dans l'exaïo, arrivé, arrêté, pour qu'on y a qui pratiquement à réfléchir, ça qui peut-être pas fait trois gros actions, y'a pour gagner pour jouer libération, et en pile là qui pourra condamner des 4 dirigeants, diverses organisations préparées aux blessures personnes pour manifester contre le régime ou gouvernement en place là, dans l'occasion commémoration l'amour en presse Jacques Dessalines 17 octobre 4 là. CK, dirigeant Fonds National, organisation résistance pour un Haïti stable à démocratique, Rosemont Jean, et qui mandait population hein, pour protéger dans le mouvement mobilisation ça pour capable exiger des pas autorité dans le gouvernement capité qui ne prend aucune mesure pour résoudre différents problèmes que la population a fait face depuis un bon bout de temps. Pas oublier, ancien sénateur et Gandasson, nous voulons parler de Guy Philippe, il était parlé tout, et discours Guy Philippe là, pour certains, il y a un pile violence à dedans. Parce que lui demandait pour y aller visiter ensemble autorité, à visiter mairie, tout espace côté nous connaît, que n'est-ce pas bien. Et des messages, voyez directement par la police pour suspendre, servir des forces répressives pour la population pour quitter, manifester la situation. C'est même ça, dans le département de la Tibonite, nous avons déjà mobilisé diverses organisations prennent rendez-vous 17 octobre pour prendre la rue, pour exiger l'état bas de sécurité. Parce que la situation paraît très difficile et même compliquée dans le département de la Tibonite, dans tout pays, à la situation. Bon, qu'on a question qu'a posé, est-ce que effectivement que, et on dit 17 octobre, là, est-ce que c'est un mouvement qui pral nationalement qui pral arriver prendre? Est-ce que c'est un mouvement qui pral plus axé dans la Tibonite ou dis-moi, est-ce que dans l'Ouest pays? Est-ce que autant de mobilisation déjà faite pour que le mouvement s'arrive
et on dit opérationnel ou dis-moi est-ce que bay résultat que monsieur dame dans l'opposition pour arriver yo même et déclencher en pays hein, puisque yo clairement dit que je dis hein, équipe qui là pas réglé en sérieux et tout monde capable ouais que quel que soit le TKP quel que soit le gouvernement koni et monsieur dame qui là est vraiment yo jusqu'à présent pour qu'on bay rien comme résultat et peuple haïtien gon grand bagage qui l'attend c'est résultat c'est bataille contre insécurité c'est mais pour que est-ce que la paix là avec capable dans le pays hein? Mais je dis à nous que poste de l'audio autorité n'a plus au niveau dans l'état je dis hein, il y a pas montré vraiment que volonté pour ta résoudre ensemble problème qui est là et puis gros problème dans ces questions insécurité des Ivenes et je dis hein, bah, c'est que et faut que peuple haïtien très capable de comprendre en mesi ou est-ce que quelque soit le TKPT ou dis-moi est-ce que quelque soit le gouvernement Kouni est-ce que ensemble que tous les et on dit deux têtes exécutives là est-ce que yo dit tête yo yo paré yo prêt pour capable résoudre question de sécurité hein, et permettre que la vie capable reprendre normalement en un pays hein, et c'est ça peuple ici à attendre et c'est ça mon besoin et sécurité la paix et permettre que la vie quel que soit dans niveau que lien et quel que soit secteur que lien pour qu'elle capable fonctionner comme ça doit et là prendre des Ivenes et gagner ainsi alors président sort bien ancien président KPT et Gare le Blanc fils monsieur qui est là et matin mardi 15 octobre ligelé et retourner pour fonction li retourner dans service li nan bon côté conseil présidentiel transition bon côté le conseil présidentiel yo et on façon pour capable garder comment yo capable avancer avec en série de travail avec ensemble de travail que yo dit yo que yo pral faire nan rétablir sécurité nan organiser conférence nationale et souveraine nan organiser élection nan établir état de droit nan permettre que yo bay remettre campé et bien institution étatique surtout question institution financière nous et bien Edgar Leblanc fils qui retourner est-ce que le retourner dans bureau est-ce que le retourner avec même harmonisation est-ce que le retourner avec même qui est content bon côté et l'autre conseiller yo c'est des questions que n'a posé par rapport avec situation et jeune connaît qui des gros bouche ouvri mais qui des gros problèmes entre ni Edgar Leblanc fils et l'autre conseiller yo et problème qui existait tout entre KPT avec équipe gouvernement Gary Koni dans des Ivenes est-ce que ensemble de problèmes ça yo yo pral bénéfice pour paysan ou dis-moi est-ce que ensemble problème ça yo li pral bénéfice pour ni KPT ou dis-moi est-ce que gouvernement koni lan bien que je dis hein qui a pile voix qui levé et qui ouais que ni KPT ni gouvernement koni hein yo tous les deux sous bluff ça veut dire que nèg yo c'est chauffe y a réglé nèg yo ses affaires pas réglé et ça fait partie politique qui veut y a réglé et ça fait ensemble de secteur qui voyez yo qui a réglé yo pas gain rien de causer pays qui a défendre parce que où est ce question de et nèg impliqué dans scandale corruption ce question que ouais nèg a ben problème dans pays hein c'est comme quoi rien pas bétio rien et bandi a prend charrette bandi a prend force chaque qui passe en de notre pays. Je ne dis à des Ivenes, c'est que à travers notre sac, la police était dehors. Et qui ça a dit? Mais c'est ça que je suis capable de dire. Dans notre sac, la police était dehors. Moi-même, je juge que Guillaume Pile paye la donne. Et je ne parle pas pour corriger le travail de la police. Je ne parle pas pour cracher sur le travail de la police. Non? Ok? Je ne parle pas pour corriger et ni cracher sur le travail de la police. Non? On parle pour faire ça. OK? Mais kounya, si que m'a rentré en dedans, on dit et notre service presse, la police a metté dehors. On nous garde bien ça aussi et comment que nous capable essayer analyser en profondeur. Service presse ak relations publiques, opération policière. La police nationale d'Haïti a mené opération dans Torcel dans fief gang crasé barrière dans quatre luttes qui visaient traquer gang armé sur tout territoire national la police nationale d'Haïti PNH là li a rapoussi avec opération et puis intervention dans plusieurs zones en de pays notamment dans Torcel dans fief gang crasé barrière que vite l'homme innocent dirigé pendant opération que la police a mené nan tête collée avec force multinationale et MMMSS là depuis samedi 12 et pour arriver lundi 14 octobre 2024 là qui visait démanteler gang crasé barrière. OK, la police dit gen une vingtaine bandits qui mortellement blessés
gen plusieurs zam ak munition, téléphone portable, matériel, équipement sensible que la police rive saisi. Ban mwen pran pati sa pou nou. La police dit nan quatre opérations ki ont mené nan base alors nan Torsel, nan fief bandi vite l'homme innocent, base crasé barrière. Yo dit que gen yon vingtaine bandi qui mortellement blessé, avait dit qui mouri. Gen plusieurs zam qui saisi zam, munition, munition cartouche, téléphone portable, matériel ak équipement sensible qui rivé saisi. Selon ça qui dit, toujours la police, il va connaître que vaillant policier yo qui yo même t'a fait pénétration dans zone stratégique côté que vite l'homme innocent les mêmes a dirigé, eh bien malfrat yo depuis quelques temps quelques années y a posé un ensemble de actions malhonnêtes sous moun k'ap vive dans Torsel, dans Peigné, dans ensemble de zones qui environnaient bloc sa yo. La police note que pour le dire pendant opération sa yo gen blindé mission multinationale là qui tombait en panne moteur, qui tombait en panne moteur et qui pas capable marcher malgré intervention technicien qui était sous place. Regardez bien mes amis, malgré intervention technicien qui était sous place, il pas capable déplacer avec blindé. Il fait qu'on est que deuxième chef gang crasé barrière. Un certain de des hommes ainsi connus, monsieur qui blessé dans échange coup balle avec la police avec force de l'audio. La police nationale d'Haïti fait connait que il a été mobilisé et puis aura possible avec opération yo pour capable neutraliser chef gang et terroriste vite l'homme innocent et acolyte yo. Ça veut dire jusqu'à moment on a parlé là, si que n'est capable faire crédit, si n'est capable prendre parole autorité policière yo, nous qu'a dit que tout cas jeudi mardi 15 octobre là, la police continue à mener opération parce que dit que il aurait été sous deux militaires yo dans foyer de gang bas crasse barrière vite l'homme innocent jusqu'à ce que pour matraquer, jusqu'à ce que pour poser la patte sous vite l'homme innocent. Kounya moi-même j'aime te dire dans mise en contexte là. Moi pas vinn cracher, au contraire. Moun kap suivre kavè moi ak Desir Venès bi de temps. Yo ka wè que moi ak Desir Venès nous toujours pour que autorité yo nan pi au niveau dans l'état que yo prend des dispositions et permettre que yo résout question insécurité. Et quelque soit bandi que lié, quelque soit individu que lié, nous toujours dit clairement que pour la police, pour force de l'audio, yo prend toute disposition pour yo rétablir sécurité en de pays. Mais kounya nan notre déformation que service communication la police mettait de yowa, moi estime que go paquet bagay la donne que qui méritait débat, qui méritait questionner. Parce que les moins monter sous compte X la police, moi ouais que yo posté notre déformation ça, moi ouais réaction commentaire ou ensemble de citoyens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire majorité commentaire que moi ouais que citoyen ou fait, yo mouté à clair que yo pas croit notre comme si et information ça yo que la police baille. Et il dit oui. Ça dit en pile et ça arrive ça même triste. Les que des autorités dans pays que population pas faire confiance. Les que des séries de chefs dans pays que peuple li pas faire confiance. Et je dis c'est ça arrivé avec autorité qui la yo. Je dis c'est ça arrivé avec autorité policière qui la yo. Ça veut dire yo pas croire même dans ça la police ben comme information là. Attendez bien ça me dit hein. Et quoi que même service communication la police là, il y aurait réaction moun yo sous compte X la police là après que au fin posté et notre déformation ça. Kounya m'a dit qui ça que la police va poser comme action
Parce que jusqu'à présent, selon la population, tout autant que vous parlez, c'est chef de gang qui vraiment que la police prend pour vous-même, il n'y a pas quoi dans la question bilan opération que la police a présenté là. C'est bien samedi. Tout autant que c'est pas chef de gang yo Andy Barbecue Vite l'homme la moisson jou Izo Tilapli Chris la Jeff Canaran Elan Lixon Meyer et Tigresse Bébé Bougoy Bouba ensemble de chef gang sa yo tout autant que pas yo même que yo prend pour population hein, c'est que la police pourquoi jamais fait rien. Alors que si ça la police dit à travers ça, quand on fait qu'on est que, gué un vétel bandit qui mourit, gué plusieurs armes, gué munitions, gué téléphone, gué ensemble de matériel et équipement qui est saisi, quelque part, m'a dit que c'est vraiment un travail que la police fait. C'est un gros travail que l'arrivée fait. Mais si yon pas ouais que la police est mentionné, yon pour éviter l'homme, puis yon même, la police pas fait un sérieux. Et là, on vient garder tout. Yo est que gen un chablende M rap que bandi mette en bas gros flamme zifé. Yo vinn comprendre que c'est pas la police qui guérit sur bandi yo, mais plutôt c'est bandi qui guérit sur la police. Et c'est ça opinion partagée. Et c'est ça opinion lui-même li dit. Et c'est ça opinion lui-même li fait comprendre. Alors que si que on t'apprend au mot ça que la police rive dit là, nous capable dire que c'est vraiment une belle opération. Mais kounya, l'autre ça que moi estime que la police mentionnée dans notre déformation ça, moi estime que quelque part et gros problème communication posé, selon moi-même. C'est vrai tout monde blindé a boulé. L'étape vraiment critique, l'étape vraiment l'aide pour que la police ta fait connait que bandi mettez difé non blindé. La police n'a jamais écrit ça dans là. Ça me c'est vérité. C'est vérité. Non, oui, c'est vérité. C'est li moun yo wè. Et c'est li bandi yo fait comme vidéo. Mais la police pas professionnalisme. Li pa jamais mentionné que bandi yo boule ou blindé. Et ça pas t'appeler rien dans professionnalisme parce que son blindé ou dit qu'il y a pas de moteur, technicien fait ça au capable. Yo pas ka réparer, yo abandonner ou confirmer que ouais bandi yo mettait du feu dans blindé a été abandonné. Qui pas de policiers là-dedans, qui pas en opération. Parce que tu es abandonné parce qu'il y a des problèmes au temps. Mais qu'il y a la même désir. Oui, il est plus logique que la police mentionne ça. Mais qu'il y a un gardé, ça m'a dit à même temps, moi-même, quand vous prenez ça. Non, 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 non